Salutations YouTube. Alors que Asuramaru711 réoffre 15 subs à la communauté. Incroyable, mais vrai. Le mécène. Merci beaucoup. On repart sur Lilith en hard. J'en ai plein le cul. Curse of Darkness. Allez, je fais ça. C'est de la merde et je reset. Parce que là, on voit rien, c'est chiant. Et pourquoi j'utilise ma... Attendez, attendez. On n'avait pas fait de reset jusqu'ici, mais j'ai juste envie d'un basement. J'ai envie d'un basement, voilà. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Et si c'est Tiny Planet, on le jouera. J'ai juste envie d'un basement. Pour m'apaiser un peu l'esprit, voilà. Je me fais toucher, c'est parfait. Je suis bien vénère, là. Je suis prêt, là. Regardez, le premier objet va être décisif. Superbe. Oh, le pognon. Ah, mais par contre, c'est... Attendez, avec un peu de chance, le pognon va déborder. Eh hey, hey. Un petit peu, hein. Oh là là. Oh, c'est chiant. Hein? Attends, ça vient d'où cet effet de batterie sur la touche, là, comme un mini martyr? Pourquoi il y a eu un truc batterie? Mais j'ai perdu une charge. Et quel est le rapport? Ah non, ça parle de Cambion Conception, en fait. C'est juste que j'ai jamais fait gaffe. C'est juste pour me dire que ça alimente Cambion Conception, j'espère. Ok. Quelle gauche. Ah, les mouches vertes, c'est chiant, hein. C'est vraiment terriblement pénible. Ok. Ok. Est-ce que vous prenez du plaisir? Parce que moi, non. Alors. Très bien. Ah! Losto. Ok. Le store. Cette pilule va changer le game. Eh hey. Pas mal. Surtout que ça en fait deux quand j'utilise mon truc. Bon. C'est bien nullos. Hein. Pour l'instant, c'est full nul tiers. Une merde. J'ai deux curseurs sur l'écran. Ah, ça c'est... Normalement le curseur s'en va quand... Quand on est abonné à Prime Video. C'est un bug avec le lecteur Amazon. Ça arrive, je l'enlève Soon TM. Hein. Soon TM. Hein. Peut-être. Ok. Bon. Il sert à quoi mon Space Bar Item? Il double les familiers que j'ai. C'est l'objet de départ de Lilith. Qui ne tire que via ses familiers. Et via Incubus notamment, qui prend les nerfs. Enfin les... Les améliorations de l'arme. Merci The Master Cafe pour les 5 subs offerts. Je pense que je prends le shop. Il est ouvert, hein. De toute façon, au premier étage. On va voir ce qu'il y a.
Ouais. Ouais. Bah vas-y, je vais alimenter la machine de dons parce que j'ai bien compris qu'avec elle, j'allais perdre en boucle. Du coup, on n'avance pas du tout sur le contenu de Repentance hein, grâce à Lilith là. Plaisir, hein. plaisir. Je viens de m'abonner, le curseur a disparu. Eh oui, merci beaucoup Master Café. Alors. Une sacrifice room. Ouais mais bon. Pas moyen de l'arnaquer hein. Pourquoi sert la machine de dons? La machine de dons c'est le seul truc qui est persistant entre toutes les parties. Et plus on met de l'argent dedans, plus on débloque des choses et on améliore le stock, la qualité, la quantité du stock du magasin. Des magasins, du coup. Au début du jeu, par exemple, le magasin n'a que 2 objets en vente. Et à la fin, il peut en avoir jusqu'à 7-8. Et on débloque aussi des objets forts. Et même des choses pour les pour le gear de départ des persos, etc. etc. Alors, envie de canner. Je peux tirer dans toutes les directions. Ce qui est pas entièrement nul, même si je suis très imprécis, vu que notre perso est décalé, donc au moins ça rend le build jouable. Le problème, c'est que j'ai toujours pas de DPS. L'amélioration des DPS. En vrai, c'est super cool en termes de jouabilité. Mais ça va pas suffire, hein. Oh, je les comprends pas celles-là, mais elles m'ont. Ça me rend dingo ! Ah, mais en fait, elles me font pas de dégâts. Elles sont intolérables, mais elles me piquent juste de l'énergie de ma batterie. Ce qui fait que je n'ai plus. Mon truc pour le boss. Mais est-ce qu'il y a un monde où le fait de se faire toucher par ces mouches, ça alimentait mon Cambion Conception? Et en fait, sans prendre de dégâts, j'aurais pu faire popper l'intégralité de mes familiers. Est-ce qu'on aurait pu trouver un bug exploit? Peut-être, hein. Ça m'étonnerait. Ça serait trop beau. Ah bah grâce au stick, au truc du stick analogique, mine de rien, hein, ce boss a été extrêmement simple. Hein. Voilà. Il suffisait que j'en parle pour me jinx et faire de la merde. Attendez, c'est très important la décision qu'on doit prendre là. Parce que l'énorme souci, c'est que je peux plus tricher comme avant. C'est-à-dire que là, je ne peux pas prendre un truc à 1, puis Brimstone. Si je veux Brimstone, c'est maintenant tout de suite et c'est tout. Oui, c'est ça. Y'a que Brimstone que je peux prendre. Ou bien je prends les deux autres. Ah mais du coup j'ai un Brimstone que je peux diriger. Incroyable. J'ai un cœur noir aussi. Ça c'est un détail. Je vais mourir, première ça. Être insane. J'aurais pas pu prendre de trucs, non. On vient de voir ça il y a exactement 10 minutes. Alors. Alors c'est bien beau Brimstone, mais quand on n'a pas de dégâts, bon ben voilà hein. Oh non mais dans le... Tellement... Ah oui, stick analogique, ouais, super, super le stick analogique hein. Ah oui, j'ai vu.
Oh là 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 là, oh, ça a failli être très bête ça. Hein. Il croit qu'il y a eu un raid. Oh là là, mais oui, Gotos qui nous re-raid, incroyable, avec 702 personnes, bienvenue. C'est bon, cette fois-ci, on l'a pas vu au bout de 15 minutes. Merci beaucoup, Gotos. Bienvenue, les Gotosos. Et merci, Drac56, pour les 1000 bitcoins. Et Monsieur Atom pour le Prime. Et à Sudamaru qui offre encore des subs. Oui, on est sur Isaac Repentant, sauf qu'on est reparti d'une sauvegarde fraîche. Du coup, le contenu du jeu, on le débloque au compte-gouttes. C'est-à-dire que là, on n'a pas encore vu les nouveaux anciens stages d'Antiburst. Et on est en souffrance ici, en train d'essayer de gagner une partie dans le nouveau hard mode qui est beaucoup plus dur qu'avant, avec Lilith, qui est encore plus faible. Merci Soucho qui offre 5 subs à Commu. Je regrette cette fresh save. Non, pas du tout. Hein. C'est du contenu. C'est du contenu, bien sûr. Bon, je suis tellement désespéré que je vais faire ça. Je comprends, hein. Guppy's Tale. Ouais. Oh là là, mais c'est chiant. J'ai le tir analogique avec les sticks, là. Guppy's Tale, c'est rigolo parce que ça fait apparaître plein de coffres. Mais le problème, c'est que j'ai pas de clé. Ensuite, Guppy a été nerfé, c'est moins bon, c'est moins fort de se transformer en chat, mais avec Brimstone, c'est toujours un plaisir de devenir un chat. Car c'est le meilleur build pour faire popper un max de mouches. Ok. J'ai pas trouvé mon item room encore. 33% de chance d'avoir un devil deal. On va chercher l'objet, hein, quand même. Non, quoi que j'ai... Ouais, non, je vais le faire tout de suite. J'ai mon... Ma boîte. Ouais. Tellement peu de dégâts. C'est cool, hein, mais... Oh là là, la maladie du stick analogique, hein. Quand je pense que j'ai speedrunné Mario Odyssey... Et que je suis incapable d'être précis avec un stick analogique, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Ok. Envie de canner. Très bien. On cherchait l'objet. Ça me permettra d'avoir un level deal. Hein. Oh là là, oui, sublime. Sublime. Attends, on se le refait. Regardez cette précision au stick. Et là, celui du milieu. Sublime. Voyage. Oh, y'a Rocher marqué. Mais quel con! Faut jouer avec un stick GameCube, hein, les sticks crantés. Comme pour Super Meat Boy. Super Monkey Ball. Meilleur jeu du monde. Avec les jeux de David Cage, hein, bien sûr. Là, je suis retombé sur la vidéo que j'avais fait de The Best Game. Vous vous souvenez de ça? Le Kickstarter, le Dickstarter pour The Best Game. Titaviono. Merci pour le host, Titavion. Bienvenue. J'ai eu ton message Discord, d'ailleurs, merci. Pourquoi pas tenter à l'occasion? J'ai qu'une clé, faut que j'attende. Oh là 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 là, la précision au stick analogique est incroyable. Asuramaru qui offre 59 subs. Ça y est, il a vidé. Il a vidé son compte en banque. C'est n'importe quoi. C'est la folie, merci énormément. Asuramaru 711 qui aurait fait une bonne centaine de subs, hein, maintenant, je crois. Merci beaucoup. Bravo la commu. Chili-li-li-li. Cette vie de Nanti, c'est ça. On joue Fortune 6, IRL. Merci, merci, merci. Non mais, non, c'est nul. Ce que je fais, c'est nul. Mais putain! Comment c'est possible? Pourquoi j'ai... Ok. Je voulais viser...
Je voulais viser tout droit, j'ai quand même visé en diagonale vers le bas. Hein. Bon, là, c'était voulu, par contre. Oh non, mais il y en a un ! Oh là là, heureusement. La maîtrise est totale. Je suis au bout. Voilà, merci. Voilà. Je suis sûr que certains ont cru que j'allais me faire toucher dans cette salle. Certains plaisantins. Je n'ai aucun doute sur le fait que cet objet est génial. Et ça marche le knockback sur le vomi ? Aucune idée. Je pense que c'est pas worth d'appuyer sur ce bouton. On peut faire ça, peut-être avoir une carte. Voilà. On peut essayer de trouver une salle secrète. J'ai 9 bombes. Elle peut être ici. Elle peut être là. Elle peut pas être là. Donc elle n'est pas là. C'est en dessous de la challenge room. Elle peut être en haut. Elle peut pas être à gauche. Peut-être là. Et la super secrète pourrait être là aussi. Il pourrait y avoir les deux, techniquement. Ouais, elle est là. Allez, j'y crois. Parce qu'elle peut être collée qu'à deux salles, je crois. Bref. Elle peut être là aussi ? Non. Parce qu'il y a des rochers qui bloquent l'entrée de l'autre côté. Au-dessus de la challenge room ? Elle peut être là. C'est l'endroit avec le plus de salles collées. Non mais c'est vrai ça ? C'était pas forcément le cas avant. C'était des salles collées. Si, c'est toujours le plus de salles collées sauf quand c'est impossible. De 2 à 4, non, c'est bien ça, oui. Voilà, ça, tout le monde réinvente les règles tout le temps, donc... Difficile, hein, difficile de jouer avec le chat, hein. Ok. Ok. Ne vous inquiétez pas, j'ai une maîtrise des diagonales grâce à des années de pratique de speedrun sur... Vraiment, la diagonale sur stick analogique n'a aucun secret pour moi. Faites pas ça chez vous, hein, cependant. C'est réservé aux professionnels. Hein. Vivement le prochain drame. Ok. Mais comme les deux précédentes parties avec Lilith, j'ai envie de canner, on s'emmerde. C'est nul, le build avance pas. Et pourtant on a Brimstone, hein, mais on a Brimstone avec 3,50 de dégâts. La faiblesse est absolue, j'ai combien ? 67,5% de chance de Devil Deal. Je pense que je vais y aller direct. Ah mais c'est un double, c'est une double salle de boss, qu'est-ce que ça va être comme horreur ? J'y vais quand même maintenant, tant pis. Je claque mon The Devil, je claque ma box. Ça va, double monstro, on est gâté. Hein. C'est anecdotique. Nickel. On a le Devil Deal, on a un Tears Up. Je veux des dégâts, je veux des dégâts. Oui ! Est-ce que je prends les deux ? Ça, c'est... Ça, c'est l'effet de peur au corps à corps. Et en réalité... Bah, c'est pas si mal. Surtout avec Lilith, quoi.
Tu peux pas? Évidemment que je peux. Parce que normalement, il va mettre à jour. Je vais prendre ça, et ensuite, ça va passer en 3 cœurs. Tu peux pas prendre les deux. Comment ça, j'ai pas 3 cœurs bleus? Mais vous êtes aveugle? Non, mais les cœurs noirs, ça compte pour des cœurs bleus. Bon, vous me faites chier, je vais vous montrer que c'est possible. Voilà! Bon. Ok. Merci à toutes et tous hein, d'être ici. N'hésitez pas à subprime. Ok. Oui, non, mais voilà. Non, mais vu qu'elle est hyper faible au corps à corps, l'effet de peur au corps à corps, c'est quand même cool pour elle. Hein. Allez. Ah, typiquement. Ah, par contre, on a confirmation que le knockback fonctionne, hein. Ok. Ça, c'est un objet génial pour casser le jeu. Une machine de don du sang, etc. etc. Il y a plein de configurations, on peut utiliser Unicorn Stump pour faire n'importe quoi. Ah, ça doit être fou avec le bouquin de Micheline là. Ok. Quoique pas sûr. Salut Eltan. Ah, salut Eltan, bonjour Mister MV, j'aime la vie et j'aime les subs. Je cherche par contre un service vidéo pour regarder des films récents et des séries inédites comme Mrs. Maisel. Aurais-tu quelque chose à me conseiller? Alors j'ai découvert récemment un petit service un peu similaire à Netflix et Disney+, mais honnêtement supérieur. Car avec ce service, non seulement on a les livraisons gratuites via Amazon en Prime, rapide dans toute la France, des jeux gratuits via l'application Twitch et la possibilité d'utiliser un abonnement gratuit renouvelable chaque mois sur une chaîne Twitch de son choix. C'est Prime Video. J'ai regardé cette excellente série qui est The Amazing Mrs. Maisel ainsi que le film Moonlight il y a 2 jours. Merci Znat pour le Prime. Merci Monsieur Kairin, Urgurish, Create, Elsudias. Merci Rox Ascension. Merci à vous tous. Merci Festcop pour les 2 siècles. Merci Horti13, Furiosa974, Walter Meloun, Sveit17, Semkar. Merci et merci encore à Azuramaru711 pour les 12 000 subs offerts. Vous vous rendez compte, 12 000 subs, ça représente presque 10% des subs de cette chaîne. Ah, parfait, Elton. Oui, on y va quand même. Hein. Ah! La Blue Map. La Blue Map qu'on a débloquée justement via la machine de don. Peut-être pas celle-là, peut-être celle de Green Mode. Bref! C'est pas mal parce que ça nous donne les positions des secrets et super secrets qu'on a visiblement tant de mal à trouver. Hein. Voilà, hop. Comme ça, il n'y a plus d'embrouille. Et vu que j'ai des bombes, why not, hein? Il est où mon Dark Bum? Alors là, si on avait le Dark Bum, c'était festival. Hein. Festival. Bon, je crois qu'on a fait le tour. À quoi que Unicorn Stump pour faire la... Si. Si, y a moyen de moyenner une arnaque. Petite machine de don du sang là et on se fait plaisir. Et je ne peux plus faire la challenge room à 1 HP car maintenant c'est une vraie challenge room à un seul cœur. Regardez ça, elle est fermée alors que j'ai pas de cœur rouge. Quelle cruauté. Oui! Une merde.
Quoi déjà? Mais non. Et pourquoi pas le HP up? J'ai un mendiant de bombes. Ouais, mais bombes, je les garde. Et on peut pas le péter, lui. Il fait apparaître des milliards de trollbombes qu'on essaie de le péter. J'aurais pu péter le reste, cependant. Je suis au fond du slip. Tu peux spam le portable? Non. Ça, ça a été patché très tôt. Je ne peux pas utiliser un objet d'invincibilité pour spammer ça. Surtout si je le repose. Ah, le hard mode, mais le hard mode Lily surtout, vraiment le perso est claqué au sol hein. Et puis là on n'est pas aidé. Si Shitsuki pourrait prime. Si Durban pourrait 79 ans. Yendawir, Peridron TV, Fest Cop, merci. Ok. Ah, j'ai vu un peu ce que ça donnait à la nouvelle map d'Among Us là. Et ça m'a rappelé à quel point j'ai pas envie de rejouer Among Us. C'est dingue, hein. Peut-être j'y rejouerai un jour. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie d'y rejouer. C'est pas que ça me stresse un peu, en vrai. Parce que j'ai envie de dire, comptablement parlant, mon comptable m'avait plutôt dit que c'était un très bon jeu. Mon comptable a dit que Among Us, c'est pas mal. Mais ça me stresse. Ok, on prend. J'ai plus de clé. Mais j'ai un HP. On va plutôt se diriger vers l'endroit de la secret. De la super secret qui est souvent proche du boss. Je savais que c'était un cul-de-sac, mais j'avais tellement envie d'esquiver la grande salle que j'y suis allé quand même. Ok, l'essentiel est fait. Débarrasser des sauteurs fous. Oh, la précision au stick n'est plus approuvée, bien sûr! Bon, c'est pas nécessaire de claquer. Et ça, j'ai le knockback. C'est chiant. Qu'en pensez-vous? Quel cœur. C'est ça que j'ai pas de clé. Ah mais faut que je détruise les cacages et le petrified poop. Ça me donne quand même une bonne chance de looter. Bah d'ailleurs l'Eternal Heart il vient d'un caca. Alors ça c'est insane hein. Niveau taux de drop ça doit être très très rare. Bien sûr. Jamais douté hein. J'ai pas eu peur. Au secours. Merde. J'ai quand même pas utilisé une bombe pour une flamme bleue pour espérer avoir un cœur bleu comme un clodo. Bien sûr que non. Ok. Au secours. Magnifique. Un combo digne de Bob's Brain. Oh oui! Merci à tous d'avoir cru en moi. Une clé! Je vais pas partir sur mon objet, hein, par contre. Ça, c'est pas possible. Hein. Un mendiant des clés. Mais j'ai besoin de clés. Comble-toi, comble-toi, comble-toi. J'ai bien fait de pas prendre le cœur éternel tout de suite vu que il aurait disparu à l'utilisation de cette machine de don du sang. Oui, je vais le péter, mais plus tard. Thank you.
Au secours. Heureusement. Oh là, vous voyez comment c'est fort? Là, je me prenais le dégât garanti, hein. Minimum 1. Ah, une clef. Joie. Joie. Bah allons-y, hein, cassons-nous. On retourne sur les lieux du crime. Et là. Et là, les amis. Un objet qui va changer le game. Ball of Tar, c'est cool, ça fait du creep, des fois j'ai des larmes qui ralentissent, sauf que là j'ai Brimstone, au secours. Bien sûr. Je pourrais bomber le mendiant pour avoir quelques pourcentages, quelques pourcents de plus. Pour l'apparition de la salle post-boss, là j'ai 33,8%, comme indiqué sur le HUD à gauche, d'avoir une salle après le boss, c'est pas dingue, mais c'est mieux que rien. Allez, on fait de l'argent, hein. C'est ridicule. J'en conviens que c'est ridicule, mais... Qu'est-ce qu'on peut... Ah si, j'ai quand même intérêt de farmer le niveau encore, parce que magasin, que j'ai 26 balles, parce qu'on est Depth Swan. Regardez la petite cricket cell, là. Oui, on est riche. Mais espèce de con du cul. C'est bien d'être riche, mais j'ai plus de clé. Et le magasin faut une clé. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Au secours. Ah mais oui, mais c'est à cause de Guppy's Tale que j'ai des coffres qui apparaissent partout. Ce qui est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ce qui serait une excellente nouvelle si j'avais des clés. Ce qui aurait été génial là, c'est de dropper une clé dorée, hein, évidemment. Qui est une clé illimitée pour l'étage en cours. Ça aurait été fort. Et on fait avec les moyens du bord. Alors que cet ennemi d'élite a beaucoup trop de vie. Et l'emmerdement est total et absolu. Corps ! Un cul-de-sac, mais j'y vais. Il y a encore des mini-pins ! Oh ! Ils sont... Au secours ! Hop. C'est quoi donc? Justice. Eh bien, justice. Oui. Suffisait d'en parler. Hein. La chance, ça se crée. Hein. Ok. Ok. Deux secondes. Oh c'est nul. Ouh là là. Two of Hearts, ça double mes cœurs rouges, mais c'est nul. D'ailleurs, je vais tout de suite expier ma frustration en gagnant une pièce d'or. Alors évidemment, les clés limitées ne marchent pas avec le mendiant des clés. Là, si je le touche le mendiant des clés, je lâche ma dernière clé. Oh là là. Je le détruis pas encore. Vous avez vu, je suis sympa. Hein. J'aurais pu poser une bombe là-dedans, hein, quand même. Ça méritait. Hein. D'ailleurs, tout de suite, une utilisation vraiment très impressionnante de la bombe. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Double actif. Ah, c'est pas mal, ça. Quand on essaiera de sauver le run. C'est-à-dire que quand j'utiliserai la carte, ça fera un double boîte de Pandore. Et si j'utilise la boîte de Pandore derrière, là je me retrouverai vraiment avec 12 000 familiers. Donc à garder pour un boss compliqué. Oh, le Dark Bomb est enfin apparu! Oui! C'est fini de prendre les cœurs rouges, il va les prendre pour nous! Et on verra s'il nous file des cœurs bleus comme il en a l'habitude ou s'il nous faudra que des pilules comme le stipule l'info chat.
Très bien. Amnésie donc qui nous a fait oublier l'étage. Le mapping de l'étage, on prend beaucoup de plaisir. On est plutôt dans le plaisir ici. Ah, c'est lunatique. C'est bien d'avoir autant d'argent et ne pas pouvoir l'investir, le dépenser. Très bien. Bah, j'en ai plein le cul, il est hors de question que je continue à visiter. Je vais essayer de péniblement revenir sur mes pas. Et on va prendre ça. Oui, on va prendre ça, mais d'abord on va tout péter. Ça va péter! Ah! Oh là là, ce brimstone qui pue le sexe. Alors, le knockback marche vraiment très bien par contre. Hein. Très impressionnant. Hein. Si jamais ça faisait du dégât, vraiment, c'est incroyable. Hein. Mais ça va l'empêcher de venir, regardez. Non! Vous voulez vous débarrasser de cette racaille? Ok. Allez, mange! Boule de pansement, c'est cool. Ah, ça veut dire qu'on va se retrouver avec une Bandage Girl niveau 4 si on utilise tout en même temps. DMTC. Alors. Petit HP up. En vrai. Mais tu vas pas me chier avec des pilules pourries. Jugement. Bah oui, je juge là. Bon, j'ai 60 balles, mais je vais quand même attendre de voir le magasin parce que avec ma non-chance du moment, je serais capable de me bouffer les 60 pièces pour me filer un cœur rouge, quoi. Ok. Là, ça va être incroyable. Hein. Encore de l'argent ? Toujours plus. Enfin, j'ai envie de lui mettre... j'ai envie d'y aller à la boule de pansement, mais... La France a peur. Mais putain, mais quel nulos ! Quel nulos ! Le touche pas, hein, le touche pas, t'emmerdes pas, surtout à le toucher, t'emmerdes pas à le toucher. Et je fais tout droit, c'est l'analogie. Hein, c'est nul. C'est nul. C'est pas grave. Et là, c'est quoi? Oh, la belle prise! Il reste plus qu'à dropper du coffre doré partout grâce à Guppy's Tale et à ma stat en chance, mine de rien, qui a 3 maintenant. Je crois que si j'avais le coffre d'Isaac là, enfin le pacte d'Isaac, on commencera à se faire des sacrés loot là. J'ai plus que 2 bombes par contre. Hein. La précision évidemment au stick analogique qui est plus approuvée. Au loyer. Je suis vraiment content d'avoir eu ce buff qui me permet de tirer dans toutes les directions. C'est vraiment fait pour moi quoi. Sexy pour moi, comme disait l'autre. C'est vraiment sexy pour moi. J'ai vraiment fait ça. Très bien. Alors heureusement que je suis payé. Hein. Heureusement que c'est mon métier. Hein. Ok. Bon, nickel. Nickel. Tire avec les boutons. Oui, ça règle le problème de tirer avec les boutons, mais... Mais moi, on est là pour vivre l'aventure à fond, quoi. Merci Mystifion pour le siècle. Merci Tazania, Convi, Biaki, Bazos pour les 2 siècles. Merci beaucoup, merci Spécial Ops. Merci Metalien666, Subprime à l'instant. Ouais, le Grito My Cake. Merci pour tous ces primes. Hein, j'espère que vous appréciez vos films sur Prime Vidéo. Hein. Oui, j'ai clé illimitée. C'est nul. J'ai pas la ladder. Ah non, c'était l'autre partie où j'avais l'échelle. C'est dommage, j'aurais bien voulu ce petit cœur bleu. Somme toute sympathique. Super secret en bas. Au secours. Au secours. Oh là, la précision est incroyable. C'est vraiment là où je voulais tirer. Et vous avez vu, c'était diablement efficace. Hein. Mm-hmm.
Ah, ça, c'est ça. Aussi, hein. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir une machine de dons et des trucs sympas à acheter? Dommage. Je pense que je vais prendre cette merde parce que ça me donne 5 bombes, hein. Ouais. Bien vu. Allez, on va bourrer la machine de dons comme Jaja. Mister Miss est fort, mais je suis obligé de garder mon truc de merde vu que c'est mon seul moyen de faire du dégât. Je suis à 4 de luck maintenant. Oh là là, elle se bloque pas. Store upgrade niveau 4. Il y aura des objets en plus dans les magasins à partir de maintenant, dans toutes les parties prochaines. Très bien. Bravo. Ok. Bah, sublime ça. Je ne lui donnerai pas de bombe et je ne peux pas le péter. Donc ça s'arrêtera là. Cette relation s'arrêtera là. Il me reste le mendiant pourri aussi. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à passer un moment exécrable? C'est parti. J'ai 4 de luck, 5 de luck, j'aurais dit on se connaît. Et voilà. On n'a pas trouvé cet item room, hein, cependant. Mais... Oui, magnifique. Oh, cette maîtrise de la diagonale, hein, D'accord, c'est lui, hein, je me suis pas fait toucher. Oui. Allez, le petit cricket cède, là, il est où le petit cricket cède? Oh là là, 6 de luck, par contre, si on commence pas à dropper des coffres à toutes les salles, je serai un petit peu... Voyez qu'il lâche encore des cœurs! C'est une petite salle juste au-dessus et on va éviter dans un premier temps parce que la petite salle, si c'est un cul-de-sac et qu'en plus la salle est infernale, on va passer un très très mauvais moment. Ah là, on va passer un bon moment parce que j'ai pas besoin d'ouvrir le chemin. Chè! Chè, 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 chè. Très bien. Dommage. Il va y avoir des cœurs bleus là-dedans. Regardez bien cet objet. Oh! L'oignon triste. C'est un gros tears up. Ah oui, là, d'accord. Ouh! Ah! Hi! Oh! D'accord. Là, on charge très vite, hein, là. On a toujours pas de dégâts, hélas. Enfin, de... Les dégâts ne sont pas lourds. Mais ça, c'est quand même appréciable, hein. Pourtant, c'était marqué 004, ça a l'air anecdotique, pas du tout. Oh! Enfin! Enfin, on commence à être récompensé. Ensuite, shot speed. C'est un peu osef. Je me demande même si ça nerf pas mes dégâts. Je sais pas si le shot speed sur Brimstone, ça a une incidence. Du style, le tir reste moins longtemps à l'écran, donc il fait moins mal. Ou si ça répartit le dégât, ou si ça fait rien. Bon. On va avancer, on est Depth 1, c'est ça, c'est pas encore maman. Ah non, on est Depth 2. Enfin, je vais pas claquer ma machin card là. On est Depth 2, donc j'ai quand même fait un full clean parce que c'est ma dernière occasion de visiter. Si j'ai du mapping, peut-être que je lâcherai, je sais pas. Ouais, mais il y a la salle de mort. Parce qu'ensuite, l'utéro, etc., j'ai pas envie de visiter du tout, j'ai envie de m'en aller. Ah non, mais quoique. Oui, oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a les coffres et j'ai la clé limitée donc. Oh, je suis au max de tir. Je peux pas tirer plus vite donc ça a rien fait. On a déjà dépassé grâce à l'oignon le maximum. Incroyable hein. Oh non. Oh, oui, oui, ouais, vous avez peur au corps à corps, ouais. Sinon, ils vont m'empêcher encore d'affronter, de pouvoir utiliser mon truc. Saloperie, va. Dommage que je vole pas. J'ai presque envie de quand même faire la Curse Room. Bon, je vais aller dans cette salle infernale là-haut. Ça va. Surtout qu'elles ont peur. Allez. C'est quoi? D'accord. Ok. Aïe. Oui. D'accord. Super. Non. Ben voilà.
Ok. Bon, c'est bon. On a pas mal farmé. On peut y aller. Alors, j'ai pas utilisé le double active. Hein. Aïe. C'est important de bouger contre les boss. Ça sert, je vous le jure. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'on peut plus faire du corps à corps. On peut plus lui faire des bisous. Il faut éviter le pied et même quand il est tombé, ne pas le coller. C'est pour ça que c'est beaucoup plus dur comme fight, entre autres. Blood clot, ça sert à rien. Avec Brimstone. C'est la baise. Allez. Mais non, putain, j'ai 4 cœurs et il n'y a pas de vrai Devil Deal. Ce monde est cruel. Campus Rage, je me dis que Campus Rage ça suffit pour terminer la partie et c'est probablement plus fort. Hein. Quoi qu'il ait été nerfé, en fait il a moins de charge mais il fait beaucoup moins de dégâts, on l'avait vu tout à l'heure. Mandage Agile Girl 4 avec le coffre. C'est vrai que par contre, pour notre double actif, on préfère avoir... Bon, allez, vas-y, on va quand même assumer jusqu'au bout la merde. Y'a pas un achievement, faut avoir une Bandage Girl niveau 4. Eh, hey, très juste! Curse of the Labyrinth. Oh, ça va être long. Ça va être long cette histoire, à part si on a de la moule. Elle est où? On va aller en bas à droite en espérant que la super secret est près du boss. Et peut-être qu'on va se sortir de ce plan huc. C'était pas... ça servait à rien. Juste à gâcher une bombe. Non, c'est fort. Hein. Franchement, l'effet de peur au corps à corps, c'est incroyable. Parce qu'à part les boss, et encore, tout le monde prend, et surtout tout le monde prend à répétition. Là, ça m'a encore sauvé plein de points de vie. J'ai combien de bombes? Assez pour faire ça, en tout cas. Hop là. Au secours. La précision au stick n'est plus approuvée. Je veux que ça s'arrête. Bien. D'accord. Cricket 7. Je soude ma gueule le jeu. Ouais, ça c'est tolérable. On va la faire, on va pas s'enfuir. Parce que le problème évidemment c'est que si je dois rebrousser chemin. Ben, je dois rebomber ou me retaper la salle de toute façon, donc quand c'est une salle relativement simple, on la prend. Oh putain, le Petrified Poop. Ah mais oui, Petrified Poop avec 6 de luck, c'est pour ça que tous les caca là, ça drop à mort. Let's go. Moi je pense qu'on a piffé. D'accord, j'ai rien dit. On a rien piffé. On a rien piffé, juste. C'est un coach. Bon, il est où le Cricket Sed là? C'est quoi ça? Non. Ok, c'est par ici. Magnifique, magnifique. Précision, précision chirurgicale. Je vais rentrer dans les salles en laissant appuyer sur les boutons. Hein. Regarde, là voilà, je vais appuyer sur les boutons, les face buttons. Comme ça, je suis sûr. Beaucoup mieux en fait, hein, beaucoup mieux. Et que dans certaines situations en particulier que j'ai envie d'avoir les diagonales. Sinon, ouais, voilà. Au moins, là, je sais où je tire, c'est beaucoup mieux. Surtout, vu la cadence à laquelle je tire. Oh, on s'est bien foutu de ma gueule, hein. C'est des pilules safety cap, je crois. On s'en fout.
Et la Super Secret n'est absolument pas près du boss. Ma vie est un coach. Deux pilules similaires, on y va. Tears down. Heureusement que j'étais au max, hein. Oui, donc du coup, aucun intérêt au final, hein, de prendre les pilules. Ah, mais safety cap, c'est ça? C'est ça qui me permet d'avoir, de pas avoir des pilules pourries? Non, mais c'est trop tard. De toute façon. Non, 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 j'ai touché à ces merdes. Je sais plus ce que ça fait, safety cap. Putain, pourtant, hein, c'est un objet qui était là depuis le début du jeu. Hein. Osef. Vous savez quoi? Osef. Allez. Du coup, où sont les boss? Oh là là, le cauchemar, les étages XL, quel plaisir. Il va peut-être être diamétralement opposé à là où il y avait la super secrète. Pour vraiment me mettre au fond du... au fond. Simplement. Y'a pas d'autre mot. J'adore sucer des esquimaux, je trouve ça esquis, y'a pas d'autre mot. Comme le chantait Flo Gaga. Non mais chiant. Oh chiant. Chiant! Mais vas-y, la fête est diagonale pourrie. Ouais ouais, tout est pourri, ouais. Putain, bon, arrête de faire diagonale pourrie. Je reprends les face buttons. On veut que je fasse spammer à l'infini, j'ai spammé à l'infini, hein. Oh, il est où l'idiot là? Il est là. Ah, c'est terrible, hein. Ça manque quand même cruellement de DPS. Hein. Ça ira quand on aura 4 en utilisant le double actif là, mais j'en ai plein le HUC officiel. Allez, le Dark Bum là. Une araignée bleue. Superbe. Fait challenge room. Allez, d'accord. Pas mal. Encore de la luck. Avec la latch key. Deux clés plus un de luck. On va préférer du DPS, mais c'est pas grave, hein. Oula. Little Chad. Comment ça, il bouge en diagonale? Il bougeait pas en diagonale avant. Non, il bougeait vers le haut, il m'a fait une feinte. Bon, le DPS, c'est bon rien qu'avec deux, hein. Ça parle quand même, de Brimstone. C'est marrant ça. Dans un pool de combat de boss, il y a eux deux. Rigolo. Ok. Mais non mais, pourquoi? Pourquoi je passe par là alors que c'était facultatif? Ah bah les mines ont peur. Les mythes, enfin, saloperies là. Tant mieux. Parce que chiant, clairement. Mais du coup, est-ce qu'elles font du dégât ou c'est aussi des anti-batteries? C'est peut-être ça. C'est quoi la carte? The Star, c'est une téléportation vers la salle d'objets, sauf qu'il n'y a pas de salle d'objets ici, donc ça serait aléatoire, donc c'est pas fou. Je pourrais aller chercher cette carte, mais ça coûte cher. En ressources. Et puis bon, j'ai quand même une carte qui est très forte, quoi. La carte que je veux utiliser, je sais, c'est celle-là. Un coffre Mozi. Regardez ça. Stream avant tout e-sportif. Au secours! Au moment où j'ai avancé, je me suis dit, il y en a forcément en haut. Magnifique. On va tout faire. On va le full clear. C'est intolérable. Heureusement qu'il y aura le boss, il y aura tout de suite It Leaves. Hein. Oh là 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 là. Je veux plus en entendre parler, mais le problème c'est que c'est une sauvegarde fraîche, donc faudra tout faire avec Lilith. Ah. Petit cricket scène. Il est hélas inaccessible. En haut. Mais c'est forcément à gauche. Ah, je vais me faire la totale. J'ai envie là. J'ai envie de souffrir. Le gauche. Ok. Petit cricket scène. Non.
quoi ce nouveau pendentif? Friendship necklace, gather around. Ah, il tourne autour de moi. Vous avez vu ça? Ça devient orbital, mon incubus. C'est peut-être plus pratique. Dur à dire. Oh, t'as un diagonal plus caca, j'ai la flemme, grosse flemme. Hein. Oui, c'est clairement mieux. Un jour peut-être. Un jour le boss. Un jour la fin de ce run. Oh la merde, la merde, la merde en barquette. Vraiment ? Je me suis déconcentré, je me suis déconcentré, je tiens à m'excuser auprès de toute ma commu. Ah mais du coup c'est difficile d'être précis parce qu'il arrête pas de tournoyer. N'a pas que des avantages cette histoire. Oh yes. Enfin, tears up, je suis au max, mais si ça me donne des cœurs noirs, voilà. Tout est pardonné. Ok. Avec le knockback. Est-ce qu'on rigole? Qu'est-ce que tu fais? Vraiment? C'est un clasher? Il est dans le clash? Il a une rage incroyable? Ok. DPS nous manque. Ah non mais c'est ça, c'est des runs de la souffrance. Ça, hein. Ça fait 57 minutes qu'on est sur ce run inintéressant. Pas du tout envie de canner. J'ai pas prêt de voir les vrais niveaux. Hein. Oh non, 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 non. Très bien. Oh, on l'a trouvé. Incroyable, mais vrai. Oh, on a succube. Oh, c'était voulu. Tout était calculé. Oh, la succube, c'est incroyable, par contre. Vraie source de DPS. Donc, premier boss. Je claque le familier, mais c'est tout. Oh, double succube du coup. Ah ouais, c'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Je suis vraiment en train de faire ça? Moi, en train d'être, de me foutre autant dans la merde? Il se montre au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ok. Oui. Merci. Formidable ça. Ok, donc peut-être pour l'achievement, quoi, Bandage Girl niveau 4. On va juste essayer de... Enfin, on va recharger notre... Ok, une batterie quelque part, probablement. Non, même pas. Oh non, c'est pas vrai, me faites pas ça. Il faut juste que j'arrive à recharger ma boîte. Ah. Quoi? Mais merde! Je peux m'énerver. Cet étage infini. Merci. Au secours, au secours. Au secours. Ok, c'est bon. Donc là, j'entre chez le boss. Ah! Double actif. Donc deux utilisations grâce à la carte de ma boîte qui double les familiers. Suivi de reboîte de familiers. Et normalement, mon petit Bandage Girl, là, ma petite boule de pansement qui tourne autour de moi, va devenir Bandage Girl niveau 4. Donc achievement, plus DPS monstrueux, formidable. 5 niveau 3? Ah non, parce que deux. Double actif, j'utilise. Avec niveau 3, ma vie est nulle. Ça a pas vraiment fait double actif, ils sont que 3. Non, j'ai... Ah oui, j'en ai que 3, je croyais que j'allais avoir 4. Je suis très déçu. Ah oui, non, ça n'utilise pas deux fois l'actif, ça utilise l'actif juste, gratuitement. Ok. Putain, enfin, oh, c'était nul, c'était chiant.
Oui, c'est un double de mon actif, c'est pas double deux fois mon actif. Oui, enfin on l'a! Ok. On a le bébé bleu. J'aime beaucoup le bébé bleu, même si c'est dur. Le bébé décédé. Le bébé décédé qui a d'excellentes stats, mais qui ne peut jamais avoir de cœur rouge. Que des cœurs bleus. Et il commence avec le caca en objet. What a life. Attendez, je dis qu'il a des bonnes stats. Bah vite fait, quoi. Ah, il a des stats claquées au sol. Ouais, j'aime bien le bébé bleu. Des bisous YouTube. On l'a fait. Oh, c'était épuisant.